on doit. Alors, un autodidacte, soit il veut faire comme dans un modèle très 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 précis, il se donne lui-même la contrainte d'entrer dans ce modèle, et là, il se trompe. Il faut dire à l'autodidacte, si tu veux faire fais-en un, fais-en deux dans le modèle, mais tu camoufles le livre que tu as envie d'écrire. Combien de temps tu vas rester à te mettre dans un modèle alors que tu es en train de repousser le vrai moment de l'écriture? Je vous laisse la parole, continuez à parler. Non, non, non. Ah ben non, je vais vous laisser ma place à moi. Non, 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 non. Écoutez, on va. En tout cas. Oui, dites-moi. On évoque aussi le fait que l'atelier d'écriture aide à lire. Est-ce que cela a été expérimenté? Pas vraiment, parce que moi, par exemple, j'adore aussi le cinéma. J'ai fait des ateliers de cinéma, c'est le cours Florent, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'à un moment, du coup, quand on va voir un film, on ne regarde plus que le détail en se disant « Ah, bah tiens, je vois l'ingé son, ah, je vois l'ombre de la perche. » Et en fait, on perd l'histoire et on perd le fil du film. Et c'est pareil pour l'écriture. Je trouve que, en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de comprendre que chacun a des astuces, que Nicolas Mathieu fonctionne différemment d'Alizé Litter, que Bougarsard a une autre façon. Chacun arrive avec... Mais en tout cas, c'est des outils qui nous permettent de nous dire... En fait, tout fonctionne et tout est en nous, et il n'y a plus qu'à. Et voilà. Et je trouvais que ça ne changeait pas le rapport à la lecture, parce que sinon, on perdait le fil du roman et de l'histoire, si on essaie de regarder ça. Moi, je veux bien faire une création d'atelier d'écriture. Je ferai venir moi, je n'y crois pas. Ce que je peux faire, c'est faire des explications de texte sur des choses comme ça. Je ne sais pas si ça m'intéresserait de lire, huit copies sur une écharpe. Mais ce n'est pas ça. Micro. Ah oui, micro. C'est pas ça, c'est pas grave. L'idée, c'est que je dis c'est magique, c'est que 8 personnes, je trouve que c'est un maximum 8, c'est suffisant. Mais un thème est donné, d'abord, un atelier d'écriture en principe, le but n'est pas d'écrire à la manière d'eux. C'est pas ça. C'est que l'animateur met en route, en fait, et commence à lire quelques textes qui sont liés à la thématique. Voilà. Donc ça ouvre un peu l'esprit, ça commence par un exercice normalement très rapide, sans réfléchir, des listes, etc. Après, normalement, il y a une écriture plus longue et une autre ainsi. Mais l'écharpe bleue, même vous dites ça, c'est magique, parce que 8 personnes vont se dire, et ils n'ont même pas réfléchi avant, puisque le principe d'atelier d'écriture, on ne doit pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça veut dire que c'est vraiment l'expression spontanée. Donc, ça, c'est ça qui est magique, c'est que ça sort et qu'il n'y a pas du tout l'angoisse. C'est du cadavre exquis, quoi. C'est pas ça, un atelier d'écriture. C'est que votre pensée, d'ailleurs, on disait d'où ça vient, ça, parce que c'est encore plus que quand on écrit un livre soi-même, c'est que ça vient tout d'un coup, c'est jeté sur la feuille de papier, c'est là où il faut quand même oser, parce que la première fois, c'est pas facile de suivre un atelier d'écriture, sachant qu'on va lire, mais c'est magique. Et les 8 personnes qui sont là, ça va être complètement différent à partir de l'écharpe bleue. Il y en a qui vont exprimer quelque chose d'autobiographique, il y en a d'autres qui vont partir dans... On n'est pas obligé de faire un atelier autobiographique. Moi, c'est ce que ça me plaît. Mais non, on peut aussi imaginer fiction. Et c'est ça qui est très riche. Ce sont les échanges qui vont se passer. Ensuite, ce qui est pas mal, je trouve, c'est juste au niveau littéraire, c'est quand même... D'après la forme utilisée pour avoir écrit au milieu de tout le monde, c'est d'être compris. Pas forcément dans le contenu, mais quand même que les phrases et autres soient suffisamment dynamiques et correspondent à ce que vous voulez écrire. C'est ça qui fait plaisir, c'est que, ok, et qu'après, quelques petites corrections peuvent être faites sur place ou plus tard si vous voulez travailler votre texte. Mais le but n'est pas un exercice littéraire dans et c'est pas non plus thérapie. On n'a pas besoin de tomber dans la thérapie. Mais après, ce qui est magique, c'est que, oui, quand on a envie d'écrire, ça aide à ne plus être seul quand même. Quand on n'est pas encore là-dedans et qu'on n'ose pas écrire, écoutez, on découvre, moi j'ai découvert ça comme ça,
J'étais seule avec mon écriture, j'écrivais jour et nuit, surtout la nuit. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais continuer? Et c'est une amie, la première partie, m'a fait connaître, elle m'a dit, écoute, pour ne pas être seule avec ton écriture, pourquoi ne pas tenter? Bon, j'ai tenté avec, il y avait deux écoles bien connues d'écriture qui durent toujours en France. J'ai découvert, j'étais très impressionnée. Mais il ne faut pas l'être, parce que tout le monde peut écrire de cette façon. Il faut encore avoir l'envie d'écrire ensemble et envie de partager. Si on n'a pas envie, c'est pas la peine. C'est juste... Je suis désolée, mais nous avons... Très bien. En revanche, c'est assez intéressant. Je pense que vous pouvez faire l'année prochaine une table ronde que vous feriez, vous, les professionnels, les acteurs, les choses de forme qui seraient déjà plus vous voulez prendre le fil, c'est ça? Oui. Est-ce que vous allez le mettre quelque part? Oui. C'était trop chouette. Oui, oui, je mets en ligne. Mais vous êtes qui? Comment tu peux l'avoir? Ah, c'est sur YouTube. C'est Yves Chenet? Non, c'est pas. Attends, je ferme.